Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les astuces de Suge Chaud. Des fois, on a envie de boire du lait chaud et pour cela, il va vous falloir des feuilles de basilic appelées ngunngun en wolof, des feuilles de menthe appelées nana, des pastilles en menthe et du lait en poudre ou bien même du lait en liquide. Dans une petite casserole ou une bouilloire, vous y mettez de l'eau en ébullition. Donc, vous incorporez les feuilles de basilic et de menthe. Au bout d'une minute, vous éteignez le feu et vous laissez infuser. Et pendant ce temps, dans un petit saladier, vous y mettez le lait en poudre. Là, vous ajoutez les pastilles menthe. Donc, on va prendre un peu de l'eau chaude. On va venir le verser afin de faire fondre les pastilles et bien mélanger le lait afin que ça soit homogène. Donc, si tout est prêt, on va venir y verser le restant de la tisane. Donc, il faut le filtrer. Moi, j'avais pris un tamis, donc faites comme vous pouvez. Vous avez juste besoin donc de l'eau. Vous mélangez jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Là, vous pouvez le remettre dans la casserole afin de réchauffer un tout petit peu. Donc, il faut le servir tiède. Et c'est prêt. Vous pouvez l'utiliser en temps de froid, quand il est poussiéreux, ou bien quand vous êtes enrhumé, ou bien juste quand vous avez envie de boire du lait chaud. Et pour l'aromatiser, c'est à votre goût. Soit vous pouvez donc y mettre un peu de muscade, des gousses de vanille, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi donc le sucrer. Faites comme vous voulez et comme vous pouvez. Ne vous cassez pas la tête pour ça. N'est-ce pas, mes amis? Voilà donc la vidéo tire à sa fin. J'espère que cette astuce vous plaira. Donc, dites-le-moi dans les commentaires. Likez, partagez, commentez. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.